Alors, tac, tac, ah oui, ok, ici je dois commencer. Donc je clique, je dis bonne partie. Je vais sur celle-ci. On joue ici, on dit bonne partie. Ouais, c'est ça. Vous pouvez mute ou... Ouais, voilà, bon, de toute façon, je vous fais confiance. Ouais. Et Sendo, il s'amuse. Ouais, je crois que je connais ce truc où il joue là après... C'est quoi, c'est... Il fait le... C'est un truc que j'ai vu récemment, ouais. Il fait le Tengen aussi. Et un truc genre ça ou ça, je sais plus. C'est marrant aussi. Moi, je lui dis bonne partie, et il mérite également ça. Donc contre Sendo, ça va être plus chaud, hein, forcément. Ouais, cette pierre, ça va être compliqué. Ouais. Mais je sais pas, je fais quasiment jamais de simultané, donc on va voir ce que ça donne. Enfin, on va s'amuser ici aussi. Et je pensais que ça mettait automatiquement la partie suivante, mais il faut que je clique à chaque fois. Ça, c'est dommage. Regarde juste dans les options. Non, il n'y a pas de proposé. Donc ici, on me pince. Et on me pince un peu plus large. Ce qui n'est pas complètement déconnant, parce que je peux me mettre, si je saute par exemple, je pourrais mettre moins de pression sur cette pierre. Et noir a déjà de l'aide un peu partout. Ok, tranquille. On va venir dans son Sansan. Ah, mais vous avez pas le temps non plus et tout. Ah oui, ça a complètement, ça change complètement le truc en fait. Ah, c'est pas évident ça. Je vais essayer de rétablir ça vite fait, mais bon. Je m'attendais pas à ça en fait. On peut pas faire de test de simultané forcément. Il faut trouver des adversaires. Tac. Bon, c'est à peu près, hein, désolé. C'est vraiment pas la folie. Mais je pensais qu'il mettrait la même interface, en fait, tout simplement. On continue ça. Ici, il recule. C'est légitime également. On va approcher de l'autre côté. Oui, il faut cliquer à chaque fois. Ouais, c'est... Je pensais que ça passait à la partie suivante automatiquement. Si Sendo fait n'importe quoi dans Fuseki, ça peut compter comme du handicap pour toi. Ouais. Après, ouais, c'est ça, c'est ce truc-là, et après il fait Tengen. Après, comme je suis en simultané, ça lui coûte pas cher de faire ça. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Je vais essayer de vous régler celui-ci aussi. Oh, c'est à peu près bien. Vous avez le temps, vous avez les prisonniers, vous avez les photos. Nickel. On s'en sort bien. Alors, il fait ça. Il fait ça, le Sendo. Ok. Ben... Orochimaru. Oread. Donc là, on est sur un Josekill classique. Tac, tac. Ça revient en... P17, contrairement au Joseki où la pince est normale, où ça pourrait aller en O18. Mais là, on revient en P17, je ferai mon saut et après ça revient en soit en O16, soit ça fait une extension au H17. Crow, il m'attaque comme ça. On monte. Sendo, il fait ça. On va prendre des Shimari, hein. Moi ça me gêne pas, on prend 3 coins. En vrai, je sais pas, je sais pas quoi penser de cette strat. Il va faire Tengen là? Ou il prend un coin? Il a tous les chichous par contre. Ça c'est sûr. Oread protège, c'est normal. Et là, le choix comme on disait. Pro recule. Mais cette pierre ça va être chaud, hein. Ça va être plus compliqué. En fait, la différence. Bah non, ces deux-là, 5 et 7, c'est très dur. Parce qu'il y a déjà le Tengen. Ça c'est super chaud à combler parce que ça prend tous les chichos. Je préfère jouer à 6 pierres qu'à 5 par exemple. On va venir de ce côté. Faut que je regarde, hein, mais
J'essaierai de répondre au mieux à vos messages, hein, mais là, ça, c'est encore plus chaud que d'habitude, je pense. Donc, il fait un très gros Shimari en Daigai Gamma. Daigai Gamma. En vrai, ces trois pierres commencent à développer une grosse case ici. Donc on va venir sur ce bord en faisant un Mokuazuchi. Ça menace de prendre le coin, mais en même temps de s'étendre assez naturellement sur ce bord. Donc je pense que c'est pas déconnant. Pro à jouer. Il nous attaque encore, il aime bien les coins, il aime bien le point. Les points, c'est normal. J'ai déjà plus que 15 minutes, le temps s'écoule quand même sur les autres parties. Même si je suis pas. On verrouille un coin, c'est normal. Alors. Je vais prendre celui-là, tiens. C'est marrant, moi j'ai toujours trouvé que les 5e, 7e et 9e pierres d'handicap au Tengen étaient plus faibles que les autres. Ah, ça doit dépendre du style alors, j'imagine. Ah oui, le temps il défile. C'est pas très pratique ça par contre, c'est débile. Le temps défile du coup sur les autres là, quand je joue, tant que je joue pas. Salut Abda. Il y a du lag. Il y a du lag? Ah merde, désolé. Vous avez tous du lag là? On va prendre un coin. Ouais, je vais être vite en Biomi si ça s'écoule partout. Il fait ça. T'as pas de lag? Ok. On va aller dans le coin. Oriad. On joue la séquence classique. Ça va répondre tout de suite normalement. Est-ce que ça veut le coin? Est-ce que ça va jouer normal? Ici pareil, hop, Sendo, il joue ça, on revient là. Oh regarde. On joue ici. Faudra que je fasse gaffe, s'il y a trop de messages de Nightbot, vous me le dites et on diminuera la fréquence. Parce que là j'ai l'impression que ça a pas beaucoup. Ça vient de connexion, c'est ma connexion. Merci BFM. Bon, on a deux coins ici, c'est cool. Ici, il aime beaucoup les points. Il veut récupérer son coin directement. Le double année. À moins qu'il fasse le nobby et qu'il cause pas bien, mais... Ouais. S'il avait fait le double année et qu'il me prenait le coin, il aimait vraiment le territoire, quoi. On joue là. Il pousse encore une fois. Et nous également. Normalement. Alors, lui, il fait ça, d'accord. Ouais, il y a trop de messages de Nightbot. Faut que je diminue ça, désolé. Ici, il faut que je réponde là. Ou alors, je réponds ça. Ouais, je crois que j'ai répondu ça. Je crois que c'est le nouveau truc maintenant. Il faut répondre là. Il faut pas aller plus faire l'extérieur parce que t'as encore des points de coupe. L'adversaire a le coin tranquille. C'est pas si fou. Et on va s'étendre. En plus, il y a une mauvaise forme ici. Il y aura sûrement de quoi exploiter plus tard. Donc ça va. Oread. Verrouille un autre coin. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Approcher sur ce bord, hein, c'est quand même gros. On va se faire attaquer, mais c'est le deal. On a des pierres dans notre cap. Tac. Je vais regarder si je peux diminuer les messages de Nightbot, hein, désolé. Aimer. Hop. Je regarderai ça quand j'aurai le temps. Il ferme le centre, d'accord. Je pense que je dois un petit peu stabiliser ce groupe quand même. Je sais pas. S'il joue au milieu, on joue là et il peut ramper en fait. S'en aller.
il me prend ma base de vie en fait. Donc je dois sûrement rajouter un coup par ici. Mais c'est énervant parce que le coup est assez naturel, R13. Ouais bon, je Nightbot, je vais retirer le patron. Par contre. Je comprends pas trop comment ça marche parce que par exemple le Twitch Prime, j'avais mis que c'était pas possible que ça apparaisse plus d'une fois par heure. Et il est déjà apparu deux fois. Je comprends pas bien. Le Amazon Prime, pardon. Donc je comprends pas trop bien comment ça marche. Bon, Oread m'attaque ici, c'est naturel. Et va contrepincer derrière. Il va y avoir du combat. Ici, donc il y a un mur. Il faut que je m'occupe de ces deux pierres. Hein. Donc ces deux pierres, on va ramper au-dessous. Sendo, il veut fermer son centre petit à petit. J'ai pas trop envie de le renforcer trop... Je sais pas. Comment je fais? Comment je fais? En même temps, si je réponds pas à son coup ici... Il descend, ouais. Après, il n'y a pas que E4 ou F3 comme type de réponse. On peut également pincer. Après, là, c'est vraiment entrer dans un combat compliqué. Parce qu'il a beaucoup de pierres d'aide déjà. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Parce que si je laisse tout le centre, c'est gros, quoi. On va pincer. On va voir ce que ça donne. Ici aussi, je me fais pincer. On va prendre la base de vie qui nous est offerte quand même. Scène 2 à jouer. On va monter ici. Prendre soin de notre forme quand même. Et on va s'en aller avec ce groupe. On peut même aller comme ça. Je sais pas. On va s'étendre comme ça. Ça menace de faire L3 pour s'étendre et prendre un peu de base de vie ou sortir tranquillement en H6. C'est un peu mi-high. Il faut toujours penser qu'ici il y a des petites faiblesses. Ouais. Mes adversaires ici n'ont pas encore joué. Très bien. Donc là, je pense que pour l'instant, on est bien pour le. Ça va. Ici, pour l'instant, ça se passe à peu près bien également. Je pense pas qu'on ait fait trop d'erreurs. Mais ça va être dur hein, sur le bord sud. Et Crow, ça va être compliqué, hein, parce que cette pierre, c'est énorme. On va venir là. Comment rejoindre? Je suis un abonné, je suis 4Q. Non. Tu changes le K par D et c'est bon. Je pense pas qu'on puisse rejoindre une fois que la simulation est lancée. Non, malheureusement, c'est dommage, hein, Abdallah. Sinon, j'aurais bien voulu. Hein. C'est dommage. Alors, ici il peut me couper, non? S'il va en S7, je vais en R7. Il fait Atari, je fais contre Atari. Il capture, je fais Atari ici. C'est compliqué en fait. Je voulais au moins 5 pierres d'handicap, moi. Ça aurait été quoi le but? Que je vive? Bon, cette scène en fait. Ah, ça a joué les autres, pardon. Il vient direct dans le point vital. Il est bien agressif.
Du coup, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je pense aussi à cette petite faiblesse, mais est-ce qu'elle est vraiment si importante? Ou alors je peux essayer de connecter mes pierres, tac. Il peut couper direct, je vais là. À égalité, je sais même pas si tu fais 8 trois groupes. C'est pas faux, hein. Il y a une, quand même une grosse différence de niveau entre nous deux, donc... Hop, on s'appuie dessus. On va voir ce qui se passe chez Oread. Elle ne met pas la pression, d'accord. Donc on va... On peut glisser ici. On peut jouer là pour rendre un peu miaï les deux situations. On peut sauter. À handicap, je pense que je vais juste Tenuki. En vrai, Soshi commence à prendre une extension d'un côté, une extension de l'autre. Ça donne envie de venir dans le coin. Tac, tac. Je sais pas. C'est peut-être un peu tôt. On va plutôt voir sur le potentiel du bord nord, j'imagine. Réduire, en fait. Faut pas qu'il y ait trop de points. Parce que si Noir avait joué un Kema, par exemple, ici, ça aurait été compliqué de retirer les points. Ouais, mais toi, t'es 4 Dan FFG. Donc, c'est costaud, quand même. Alors, chez Crow, il m'attaque. C'est bien, il m'attaque, il m'attaque. Il faut que je pense à ma vie. On va aller dans le coin. Sendo, il coupe. Ok. Donc, on va descendre ici. Se rapprocher du bord. Oread joue ça, d'accord. On va sortir légèrement. C'est une pierre de sacrifice, ça. Hein. C'est juste pour diminuer la zone. Si Noir joue là, on vient ici. Qui prend la pierre. On fait contre-Atari. Il prend sa pierre et nous on joue léger en fait. Ouais, il faut sacrifier des pierres parfois. Hop. Non, bon, Joe c'est clé classique, on se glisse dans le coin. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même la M17. D'accord. On joue là. On fait l'Atari, on va pas refuser. S'il lance un co, c'est pas bien grave pour nous, hein, c'est. On sera content. Il y a toujours une faiblesse par là. Ok. On vient là. Ça va être dur. Ça va être dur. Hop. Alors, lui, il a joué. Et il répond S17. Ça existe, hein. Ça existe. La réponse, là, j'ai tout de suite P18 ou P16. P16, c'est être un peu plus gourmand, parce que s'il fait l'Atari, on joue Go, il capture. Bon, c'est vraiment être gourmand, quoi. Sinon, j'ai... P18. Ça n'a pas l'air incroyable, en fait. En fait, je crois que c'est vraiment PC, parce que même s'il fait Atari, on joue pas le co, on protège notre pierre, et il doit encore revenir pour capturer celle-ci. Non, c'est pas fou, hein. Je sais pas. On va peut-être d'abord s'appuyer là. Menacer de prendre le bord noir. On va jouer ça. Alors, en blitz, peut-être 5. Normalement, je te mets 3-4 pierres max handicap. Ok. Pour les Dan, les niveaux KGS et FFG sont assez similaires. Pour les Q, je sais pas. Ouais, moi je viens de passer un premier, bah, j'arrête pas de dire je viens de passer, mais il y a 2-3 mois je suis passé premier Q FFG, donc je dois encore prouver que je suis vraiment premier Q FFG.
Après là, mon pro... justement, j'étais passé le premier QFFG en battant 2 Dan, 2 1 Dan KGS, FFG, 1. J'avais noir et l'autre avec une pierre de handicap, donc Asen, et l'autre j'avais blanc. Et là, au dernier tournoi que j'ai fait, le championnat par équipe, j'ai battu un autre premier Dan FFG, donc c'est bien, je pense. Enfin, déjà, ça me met en confiance. Je peux jouer là, non? Parce que s'il monte... Non, c'est un peu risqué. Peut-être que je dois jouer là. Je sais pas. Ça, c'est peut-être un peu gourmand. Peut-être que je dois venir ici. Ici, le sphère Atari, en fait, je connecte. Mais après, c'est Miyai de protéger cette pierre. Moi, ces deux pierres. Et moi, la capture de celle-ci. Alors que si je joue là maintenant... Je peux mettre Atari. Je peux couper ici. Ah, c'est pas si fou. On va plutôt jouer sur l'extérieur, je pense. Alors, ici. Ça revient pour protéger la pierre, d'accord. Ça revient sur le jeu qui est à la base. Le problème, c'est que maintenant, il y a L16. Et du coup, c'est un petit peu surconcentré. Et tant mieux pour nous. Ce que je vois aussi, c'est que si Noir joue C14 ou C13, il va y avoir une très grosse pression sur le centre, sur ces deux pierres. Donc je pense que c'est un bon timing de venir en C13 nous-mêmes. Dire attention, si tu fais n'importe quoi, ces trois pierres pourraient se retrouver sous pression. Et en même temps, ça consolide vachement ma position ici. Si j'approche en C8 plus tard, il y a du potentiel et en même temps, je réveille des faiblesses. Alors, chez Crow, il réagit comme ça, d'accord. On va connecter nos pierres. Sendo. Sendo met en Atari. On répond. Il n'y a pas de raison de ne pas répondre. On va jouer... Il revient ici, d'accord. Maintenant, c'est... Est-ce que c'est intéressant? Bon, j'ai pas des formes incroyables, hein, ça c'est sûr. En vrai, c'est assez intéressant de pouvoir venir là, maintenant. On est un peu plus solide ici. Ces trois pierres n'ont pas encore de base de vie certaine. Donc il faut trouver des cibles, en fait. Il revient là, donc on vient capturer la pierre, on a un œil, et en même temps ici il a des petites faiblesses, non? Je sais pas, dur à dire. Donc ici ça sort, c'est normal. On va s'étendre comme ça. Ça menace directement de jouer un coup comme K17 qui me donnerait un début de base de vie. Oh, il recule. Il profite pas de cet Atari. Il pense à un piège, j'imagine. Dans ce cas, on peut avoir ça. Il va sortir, certes, et après on revient protéger notre groupe. Mais on aura gagné une base de vie gratuite sur celui-là. Je sais pas. Ou alors on met la pression d'une quelconque façon, mais en fait, il prend son extension et ça va être dur d'attaquer. On a l'Atari toujours. Ça a l'air dur à faire. Alors, Sendo. Il descend ici. Très bien, on va là. Ça serait trop lent de défendre cet œil. Auréade protège son groupe. Semble toucher. D'accord. Nous, on va faire année. De toute façon, c'est déjà costaud ici. Donc, ça ne nous gêne pas de toucher quelque chose qui est déjà fort. Si ça nous permet de nous renforcer. Souvent, le contact entre deux,
de groupe renforce les deux, donc il faut y être préparé. C'est pour ça que quand tu attaques un groupe, en général, tu l'attaques à distance, tu ne le touches pas. Oula, il n'y a pas de petits trucs ici? Je sais pas. On va lire un petit peu. Blanc, noir. On a plus que 3 libertés, on joue là. Lui, il en a plus que 3 également. S'il fait atterrir ici, s'il va ici, on fait ça. Il peut jouer là et c'est quoi? Non, il revient là, tac. Il nous capture. Ah, ça marche pas, c'est dommage. Ça ne marche pas. J'ai cru. En 2 secondes, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de très intéressant à faire ici. Après, si on sort avec une belle forme, ça nous va très bien parce que ici c'est blanc, là c'est blanc pour le moment. Ici, blanc est installé et noir voulait vraiment le centre. Donc, si on fait une belle force sur le centre, ça va être compliqué pour lui de continuer. On joue comme ça, léger. Géoréade. Je pense que le double année est clairement abusif, donc on va juste reculer comme ça. J'écrou. D'accord. Maintenant, il faut que je revienne. Hein. Parce que je peux me faire enlever ma base de vie et ces pierres-là seront dans un état désastreux si je fais rien. Il faut que je revienne, hein. Il faut vivre. Il faut vivre. Mais c'est un peu lent. En plus, j'ai toujours un problème ici. Il est agressif, hein. On va protéger. Après, ça devient compliqué. On voit presque un œil ici, presque un œil là. Et on peut encore bouger. Salut, Gomit. Pardon. Gomit Arca. Comment tu vas? On est en simultané, là. Oh, t'as dû voir dans le titre. On joue contre 3 personnes du coup. On a Sendo qui est premier Dan, donc c'est une partie à égalité. Bien, merci. Contre Oread qui est 6ème Q, donc on joue à 5 pierres. On fait handicap moins 1. Et contre Pro qui est 8ème Q, en vrai là il y a un point de progression, mais il a pris son niveau OGS du coup, et du coup on joue à 7 pierres. C'est chaud. Ça vient là, d'accord. Peut-être que maintenant je peux revenir par ici. Le problème c'est... Est-ce que des coups comme J15 me font... Ça a l'air de faire mal J15. Peut-être que je dois me protéger d'une autre manière. C'est pas évident. J15, c'est... ouais, je suis obligé de connecter. Après ça descend, je suis obligé d'aller là, ça fait le bambou, je suis obligé de connecter ici. Et j'ai un pâté en fait. Donc même si ça me donne pas très envie, je pense qu'on va jouer là. Il va monter, on peut descendre, on est quasiment vivant. Chrome pousse ici. Ça me gêne pas de renforcer. S'il me renforce de ce côté, en fait ça va affaiblir son groupe, donc ça me gêne pas. On va accepter. Sendo. Sendo m'attaque en protégeant ses 3 pierres. C'est normal, je pense. On va venir choper un œil. Ici. Auréade, du coup, se protège là. On vient ici. Ça va mettre un bon yossé avec L18. Donc, ça va. Trop. Il vient re-sauver son groupe. Dans ce cas-là, on va sortir et menacer de rajouter des coups ensuite par là, d'isoler ces pierres-là de ceci. Faut essayer de lui créer le plus de groupe possible, mais c'est très dur, hein, bien sûr, à cette pierre, mais faut essayer. On va s'y efforcer. Ici, il me reste plus que 3 minutes quelque chose. Ok, j'ai passé 17 minutes sur cette partie, ça m'étonne. Ici, il me reste 4 minutes. Et là, 1 minute 30. Ah ouais.
Bon, la partie est à peu près stabilisée maintenant. On vient là. On vient gagner, prendre le gain de C13. Hop, hop. Ici, est-ce qu'on peut jouer ça? Le problème, c'est qu'avec cette Atari, on vient là et ça repousse. Et on doit connecter et on n'a toujours pas de dieu. C'est pas évident de savoir ce qu'on doit faire ici. Pas mal de choses qui semblent assez moches en fait. Si je recule comme ça, ça semble pas fou. Parce qu'il peut toujours aller là. Et quand on sort, il vient ici. C'est toujours un faux œil. Donc. Je ne sais pas. Si, on doit peut-être faire ça quand même, parce que ça laissera une faiblesse d'Atari ici. Et nous, on sera consolidés pour sortir. On va le trouver plus loin, nos yeux, on va le trouver plus loin. Là. Le noir était déjà fort ici, ici. Là, on voit qu'il y a moins de pression. Donc ça va bien se passer. Oread protège fortement son groupe. Ok. Non, mais ça, c'est débile par contre. Je vais perdre autant tous les parties en fait. C'est impossible de jouer. Je comprends pas pourquoi KGS fait ça comme ça. Bon, c'est pareil. Mais j'ai perdu pas le temps. Aïe aïe aïe. J'ai dû louper quelque chose dans les paramètres, non? On va reculer comme ça, j'imagine. On va essayer de prendre quelques points. On déchire le Kema. Hop, on glisse au-dessous. Dans une suite multinérale, ça fonctionne comme ça, donc je comprends l'idée. Ouais, mais fou. Bon, dès que quelqu'un clique, je dois revenir. Quoi. Désolé, là, je vais moins commenter, du coup. Je suis désolé, là, c'est pour ça, il faut, on aurait dû ne pas mettre de temps et avoir confiance que les gens ne prennent pas en temps pour jouer. J'aurais pas dû écouter le petit... Le petit Sendo. Ah, je veux là. Je vais revenir ici. Ok. Là, il y a la coupe qui est dangereuse. On va juste sauter comme ça. Ouais. On va jouer rapidement. Et il sort, donc il garde l'idée qu'ici, s'il joue là, il n'y a plus qu'un œil dans ça, et s'il joue là, il n'y a plus qu'un œil dans ça. Mais à tout moment, je peux faire ça. Et s'il joue ici en premier, ouais, il faut quand même faire attention. Il faut d'abord jouer là, sortir. Peut-être que tu peux leur demander de rajouter du temps. Non, ça ira. On fera mieux la prochaine fois. On fera mieux la prochaine fois. Est-ce que j'ai le droit de monter ici? Tac, tac. Je vais là. Si on capture, c'est la catastrophe. Ici, on protège. Qui sort, ça peut être dangereux pour mon groupe. On va juste connecter. Peut-être que j'aurais dû faire S11. Je sais pas. On protège sa pierre. Qui veut protéger un minimum de territoire par ici, c'est compréhensible. On va là. On a l'air vivant quand même. Mais là, il va peut-être rajouter un coup vers F17 en disant regarde, j'ai un gros potentiel au nord. Ok, bon, ici il faut prendre la base de vie. Tant qu'on a la possibilité de prendre ça. Oh, il recule ici. Si je joue là, ça donne trop le coup ici facilement, avec les yeux. Même si normalement je peux pas attaquer vraiment cette position, mais bon.
On va quand même juste monter comme ça. Me laisser la possibilité de ce coup plus tard. On sait jamais comment ça peut se passer. Alors. On va juste reculer ici. Aïe aïe aïe. Il est pas très fin. On va menacer de couper là et glisser au-dessous si on nous empêche de déchirer Alkema. Peut-être qu'il aura envie de monter en M4 pour pouvoir bloquer de chaque côté, mais il y aura quand même des points de coupe. Faut pas mal lire quoi. Alors lui il monte. On va couper, hein. On va dire regarde t'as deux pierres isolées. Pour agir un peu en fait. Isoler ses groupes également à ce petit Sento. Ok, ça protège. Donc on est connecté. Ici, il y a une zone qui est quand même très intéressante pour Noir. Donc je pense que... il va falloir réagir. En sautant par ici par exemple, parce que si Noir joue par là, il ferme une zone très intéressante. Donc je pense que ce coup est assez intéressant pour les deux joueurs. Sendo. On coupe. Auréa 2. On monte une fois. On fait le Toby déchiré d'abord, on a la position. Et on fait la gueule de tigre. On nous bloque pas, on avance, on refuse pas. Sendo. On vient mettre la pression sur ces pierres. Ici, pas évident. On va protéger comme ça. On va faire les points là où il reste quelques points à faire. Une position solide. Pro, il recule comme ça, ok. On va monter. On va reculer. J'ai pas trop envie de perdre une période ici. J'en aurai besoin pour la suite. Ok, on va faire ça. Je pouvais pas le faire juste avant. Et on va vivre. C'est sympa de vivre. On a un œil ici, un œil là. On est vivant partout. Ici. Cool. Ici. Idem. Ici. Faut faire attention à ces pierres, quoi. Ça y est, mon gros dragon, quoi. Et on a réussi à lui isoler des petits groupes. Ok, il protège comme ça. On va fermer ça, il va vouloir venir couper. Et quand il coupe, on pousse et on vient chercher notre deuxième œil tranquillement, je pense. Mais il faut penser un peu au point. Ce coup-là, en plus de Shimari, commence à pas mal fermer cette zone. Ok, on nous attaque. C'est un bon coup. Hein. Maintenant. Ok, ça n'a pas répondu ici tout à l'heure. C'est bien. On va venir ici. Hein. Tout à l'heure, ça, on voit qu'il, depuis le S5, il y a des petites faiblesses dans le coin. Donc on vient réveiller ses faiblesses avec ça. Et en même temps, se renforcer sur l'extérieur si jamais il vit dans le coin. Et on peut... détruire les points ici. Ah d'accord, c'était le décompte d'un adversaire. Je me demandais aussi. Je vais garantir ma connexion ici. Et on va pouvoir s'installer par là. Ça veut vivre dans le coin. C'est logique.
On fait le année. Oh là, trop de points. S'il coupe ici, ça fait atterri comme ça, et on déchire. Ça n'a pas l'air agréable. Ok. On va couper ici. Maintenant, la coupe est plus dure. Si ça coupe, ça fait double taille. On avance. Ça va être dur de ne pas perdre des périodes. Donc, croc à jouer. Il coupe. D'accord. On fait la forme de la table, ces quatre pierres-là. Et on va reculer ici. Sendo, il recule comme ça. Il est toujours dans l'optique de bien m'agresser. On va avancer là. Là, ça ferme un peu le centre. Enfin, pas qu'un peu, même. D'accord. C'est vrai qu'il y a un centre très sympathique. Donc, on va d'abord sauter ici. Oh. On va faire ça. Et quand on sera renforcé, on pourra avancer là, sûrement. Ça donne envie de couper et de voir ce qui se passera. Aïe aïe, on manque de temps, hein. Ok. Ça ferme des zones intéressantes ici, hein, quand même. On va pas se cacher. Alors, on répond une fois à l'Atari, on verra après. Lui... Viens là. Ok, bon, on avance. Je pense que ça pouvait fermer direct. Très bien. On va jouer là pour menacer d'envahir le coin. Ah oui, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire. Donc là, c'est pour pouvoir couper ici. On va jouer ça. C'est un peu risqué pour son coin, non? Tu protèges. À venir jusqu'ici. Si on va recouvrir. Faut que je vérifie ma connexion. Tac, tac. Atari. Capture. Ça peut couper encore ici, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être des problèmes encore. Il faut que je fasse attention à ça. Ah. Il n'y a plus le temps. Ok. On va venir au milieu. C'est dur une simultanée. Hein. C'est vraiment très dur. On va jouer là. Et on va devoir renforcer ici. C'est pas plaisant. Mais on n'a pas trop le choix. Donc il m'attaque ici, d'accord. Donc on va recouvrir. C'est là que ces pierres pourront peut-être m'être utiles. En plus, il y a la menace de coupe ici. Donc je pense qu'il est trop agressif. Ok, on connecte. La Sendo a été trop agressif, je pense. Ouais. Tac, tac, tac. Donc, il joue quoi? Il joue ça, très bien. Tac, 1, 2, 3. C'est peut-être moi qui fais n'importe quoi en fait. Moi je fais n'importe quoi en fait. Oh, je vais mourir. ici.
Ah, ça devient compliqué partout. tac, ok, Atari. Il protège là. D'accord, on protège en dur. Ici, ça m'attaque sévère. Ouais, il faut protéger. Hein. Ok, il fait cette forme. On bloque. Ici, ça m'attaque sévèrement. On va jouer ça. On va connecter. Ouais, je me suis fait avoir ici, hein, je pense. On s'est bien fait avoir. C'est mes adversaires? Ouais. Oh là là, c'est stressant ça. Désolé pour vous. Ça doit pas être agréable à entendre. Donc ils ont tous les deux joué. On va jouer ça. S'il fait Atari, on répond là. Il répond, on capture. Ici, il est goté, cool. On va s'étendre vers le centre. Je pense qu'ici, je vais mourir. Contre Sendo, je vais mourir. Alors, Crow à jouer. Il me permet de faire une belle forme. On va accepter. On va accepter. C'est son potentiel. Hein. Donc, c'est pas grave. Ici, il n'y a pratiquement pas de points. Là, il y en avait plein. On est content de faire un mur solide de ce côté. Ici, on est très content de prendre ces deux pierres. Alors. Descendre une fois. Ici, on protège, on va connecter, on va pas se faire déchirer notre schéma. On fait la belle forme comme on disait. On est obligé de faire ça. Hein. Tac, tac. Ah, je vais perdre des périodes. J'en ai plus que 3 ici, j'en ai 4 là. C'est dur. On va revenir ici. On va commencer à voir les chichos, on pourra peut-être approcher un D11 ou... Des 9, je sais pas. J'ai l'impression quand même. On va protéger. Là c'est Sendo qui affiche. S'il capture, on vient ici. Il y a des coups intéressants à jouer ici. Ça protège comme ça, d'accord. Faut quand même faire attention à pas jouer de coups abusifs. On va d'abord jouer là. Sendo, il capture. Il capture ? Oh ben. On récupère toutes nos pierres, cool. Tant mieux. Ici. On va plus avoir que deux périodes. Hein. Ça, c'est là, c'est compliqué. On va jouer là. C'est dur. Hein. On va jouer. Ça veut couper, ça veut couper. On va connecter ici, tac. Ouais, c'est dur. Là, je concède pas mal de points quand même. Mince.
On va jouer ça, hein. De toute façon, il n'y a plus rien à prendre de spécial ici. On prend notre base de vie. Je sais pas trop. On protège. Ici, on va quand même faire attention. Hein. On va sauter ici. On protège. Peut-être que j'aurais dû faire la gueule de tigre. Hein. Ça me réduit. On va prendre nos petits santé. C'est pas un très bon santé parce que plus tard il pourra me forcer. Ça protège, d'accord. Oh, je pars ici. Protéger. S'il fait atterrir ici, on connecte. Si ça coupe, on fait atterrir d'abord, on fait l'atterrir et on fait les yeux. Ici. Tac, tac, tac. On protège. Après, on commencera les parties tranquillement. Désolé, là, c'est peut-être pas très intéressant pour Fou, je sais pas. C'est marrant, il joue pas, là. Ben, c'est immense. À moins que... Non, ça serait affaiblir mon groupe par ici, peut-être. Hop. Ok. Pas stressant du tout. D'accord. Tac. On prend jusqu'au bout. On défend. On défend. On menace de connecter. Ça va être gros à un moment le H2 ici. Pouf pouf pouf. On va réduire un petit peu encore. Ici, il me coupe. Très bien. On va essayer de connecter cette pierre. Ça coupe ici. Donc, on joue la survie. Ah, si j'avais dit que je ferais atterrir d'abord. Bon. Pas bien grave. Ici. Auréade, ça protège comme ça, d'accord. On joue ici. Qui va jouer là? Ah, ça, j'avais dit que c'était très gros. Ah, pourquoi j'ai pas répondu? Ouais, en même temps, je suis obligé de répondre. Non, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. C'est comme ça. Le temps. Pas mal de petites erreurs. Pas mal de petites erreurs. Mais ça va être intéressant à revoir tout ça, je pense. Ça connecte, c'est normal. C'est bien. On va couper ici. On sauve ces pierres-là. Ici. Si je vais là, il fait ça. Il vient ici, il va là, je vais là. Atari tac, atari tac. Hop. Ah, si je perds une période ici. Ah là là. Catastrophe. On va protéger notre forme.
Il y a toujours la coupe ici, qui devient grosse. Attention à lui. Enfin, je m'en fiche un peu, hein, s'il fait l'heure, mais... Je sais pas trop quoi jouer. Oh, je vais prendre ça. On va faire ça, et après on va pouvoir couper. Ça va être très gros. Là, il va pas risquer le double atari. Ça, c'est gros aussi. C'est vrai. On avance. Hein. Sendo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, en vrai, je vais continuer à avancer ici. Hein. Ça menace faire ça. Détruire son tout son centre. Ça menace couper, d'accord. On connecte. Hein. Ça menace couper. Enfin, là, Auréad s'empare de tous les synthés. C'est normal. Alors, Sendo, il a joué ici. Très bien. Atari. Ici, ça joue là. On va forcer ici. On peut couper ici. Ça menace un double Atari. Sendo, il joue ça, d'accord. Tac. Je fais ça. Pas un truc là ? Nous on fait cet Atari là et ici on va monter là parce qu'il y a quand même des problèmes de forme encore. Si on vient là, non, y a rien. Y a rien, mais on va pouvoir faire un peu Shibori. On va venir là. On répond à l'Atari. Si on vient ici, qui met Atari là? On va là. Il y a Atari, il capture. En fait, il y a peut-être quelque chose en fait. J'ai bien l'impression qu'il meurt nos petits Sento dans ça. Positionnement au pif des pierres blanches. Ça marche. C'est chez qui que je perds? Ah non, c'est lui, ok. Moi je veux là. On capture la pierre, hein, on va pas refuser ça. Allez, on prend Sente. Ok. Ah. Il y a rien de spécial ici? J'ai pas l'impression. On va jouer ça. Scène 2 à jouer. Ouais, ici il est mort. Il me le confirme un peu. Il y a toujours la coupe, hein. Il faut que je surveille ça. On va jouer là. On prend notre scène T. On répond, ça répond. La connexion ici, je pense. Peut-être d'abord cet Atari, qui est quand même assez gros. Parce que s'il descend, il fait quand même une belle zone de points. Bon, on va connecter, hein, ça menace quand même pas mal. D'accord, ça joue sûr. Pourquoi pas. Ah, ça va, j'ai encore 5 périodes contre lui. Moi, je vais là. On va pousser une fois. Auréad, on protège nos pierres. Sendo. Il y a la coupe. Hein. En fait, tout ça, c'est menacé maintenant de mort. C'est problématique pour lui. Il pouvait pas pousser de l'autre côté? Si, il pouvait pousser de l'autre côté. J'ai mal lu en plus, ouais, lui aussi. On fait n'importe quoi.
J'ai perdu une par le temps, je pense. Hein. On va descendre ici. On va prendre le plus de points possible là. Pareil ici, ça menace faire l'Atari. Ouais. On va protéger notre forme là. Lui descend ici, d'accord. Ça, ça semble gros. Est-ce qu'on a des CNT encore? Non, il y a ça qui est pas mal en vrai. Puis N18 ou ce coup-là. Continue. C'est ici où je dois faire gaffe, j'ai plus que deux périodes. On va menacer d'entrer. Et Crow, bah non, Crow, j'en ai plus qu'une même. Ah ouais. Ça, ça menace de tout connecter. Faut vraiment faire attention. Regarde à jouer. Si ça pousse là, tac. Puis ça pousse là, tac. Ça va. Ça va, ça va. Hop. D'accord. On va plutôt protéger de ce côté. Ici, on protège naturellement notre territoire. Si on veut pas se faire déchirer. Ici, pareil, on protège. Ça va peut-être couper. Ou Dieu sait. On protège. On protège. Là, c'est du Yossé, donc ça va aller un peu plus vite. Ici, on risque pas notre vie. Clairement pas. Attends, tac. Si ça va là, on fait ça, non, ça descend. Ouais. Ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Je sais pas, je sais pas. Aïe aïe aïe. On va perdre par le temps. Il peut mourir partout hein, lui. On va couper pour avoir peut-être un diocé un peu meilleur de ce côté. Ici on va sauver quelques pierres. Le problème c'est qu'il y a ça. Ok, ici on prend le diocé comme on dit. Lui, ok. Ça devient quand même gros de faire ça, j'ai l'impression. Hop. Aucun moyen de me faire chier là, il pourrait faire ça, ok. Ouais, ce sera pas tuable, mais bon. On a quand même bien embêté. On défend. Trop. En vrai, j'ai envie de connecter ces pierres. On protège. Ça protège. Donc nous, on fait quoi? Par ici, il y aura peut-être des petits coups, parce qu'il peut se connecter ici. Non. Ah, je sais pas. Peut-être là, il y a un bon Yossé à choper. Ici, on se protège. Ah, le salaud, il joue sur le timing. Quel enfoiré. Il a raison, il a raison. Ah là là, je me fais avoir du coup. Salut Goshi. Il joue sur mon temps, l'enfoiré. On capture. On est sur de la simultanée, du coup, comme tu vois. Ah, il m'a bien eu, lui. L'enfoiré. Et comme ça, lui. Je pensais pas. Tac. Non, c'est ici, oui, j'ai plus de temps. Je...
Ah, c'est chiant. Ah, je vais là. Voilà, mais c'est qu'on a plus de temps ici. On est en dernière période sur ces deux-là. Aïe 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 aïe. Oh. Tac. Tac. Ouais, ça sent tellement ça, oui. Du coup, à 30 points, comme tu dis. Hop. Ah, je peux plus réfléchir maintenant, hein, c'est clair. On va essayer de calmer le jeu sur les parties. Dire c'est fini les gars, on arrête. De toute façon, je suis à peu près solide partout. Il y a juste Croc qui m'a bien eu là. Enfoiré. Hop. On joue ici. Ok. On défend notre territoire. Ça fait ça. D'accord. Le temps de réfléchir, hein, puisque là aussi j'ai plus que 15 secondes. Ici ça veut pousser là et que j'ai un lieu, c'est de merde, donc on va dire non. Non merci. Ici on peut avancer, hein, comme il a refusé. Vas-y Crow. Hé hey. Tac, pour faire un Atari, ok. C'est pas bien grave. Faire un œil ici. Ici, ça veut couper. On va connecter. Lui, il me reste encore deux périodes, donc ça va. On va pousser là, c'est SNT. On va jouer ici, c'est SNT. On va répondre à cet Atari. Fou. Il fait chaud. Hop. On va jouer ça. Okay. Merci beaucoup pour l'abonnement, Fed. Merci. Ah non, t'as offert à Abd. Ok, bah merci pour d'avoir offert. C'est super sympa. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il compagnon bourré. Mais non, c'est moi qui suis compagnon fou con. Si, ça marche. Je suis compagnon. Si, si, ça marche. Ça va, ça va. Merci beaucoup, Fed. Super sympa. Si, si, ça marche. Tac, il capture, on va là. Et même s'il nous met Atari, il y a... Non, il y a rien. Je fais n'importe quoi. Non, si, ça marche. Parce que j'ai encore deux libertés. On sent le mec en confiance. Si, si, ça marche. Parce que... il capture, je vais là. S'il joue là, il y a snapback. S'il fait Atari, on répond. De toute façon, on a deux libertés encore et lui, il n'en aurait plus qu'une. Donc, il est mort. Je pars ici. Protéger nos formes. Ah, j'aurais peut-être dû fermer ici. Non, mais non. Ah, mais quel enfoiré. Mais non, ici. Bon, il n'aura perdu par le temps. Allez, il m'en reste plus que deux. Il aurait dû jouer là. Il me capturait les pierres. Oh là là. J'ai plus de temps, c'est un coup de merde, mais de toute façon c'est la fin de fin. La Croc il est parti à côté, il est passé à côté d'un truc. Ouais, là quand il a joué ça et que j'ai répondu direct, instant, je suis quel con. Il pouvait bien rattraper encore. Ouais, ouais dommage pour Croc, ouais, clairement. Parce qu'il a, il fait des coups forts, mais il a raison. Il a raison, ça fait partie du jeu. Je sais même pas si je peux retirer des points, vraiment il y a ça quoi, mais de toute façon oui c'est coté. On va jouer là. On répond. Ça va forcer ici, on répond. De toute façon il n'y a plus que dégoté, hein. Tac tac, ici je peux pas faire de points. Si ici, bah en fait c'est lui qui a tous les CNT. C'est là.
Là, c'est à lui. Là, c'est à moi. On peut jouer ici, mais là aussi. Oh, c'est que dégoté. Hein. Tac. On va jouer celui-là. Il y a des petits trucs dans les formes, on sait pas trop. Faut que je prenne le temps de lire. Tant que je n'ai pas. C'est de la 2 secondes. Paris, on sort. Il y a rien du tout. Là, j'hallucine complètement, je pense. Mais dans le doute, il y a joué. Il, elle, je ne sais même pas en fait, Auréade. Je pense qu'il joue. On s'en fiche, de toute façon. Tac. Bon, il n'y a plus grand chose ici. Hein. Par là. Et. Regarde si j'ai pas un CNT caché quelque part. J'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'il y a A18 et A18 quoi. Ah, c'est pas moi. C'est sûr. Ça joue le côté, le damé. Est-ce que ça a besoin de jouer le damé? Non, c'est le Rejap, donc il n'y a pas besoin de jouer les damés. Hop. Ici. Il y a des petits points à retirer par là. Hop. Ah, c'est sympa, il a compté pour nous. C'est sympa ça. Ah, je perds. Je perds. Bien joué. Atari, attention. Lui aussi peut se faire piéger. Le petit croc. Aïe. Ah, tu vois, tu l'auras vu, c'était juste à côté. Gauchy. Aïe. Partie de fourbe. Bon, ça c'est fait. Bon, j'ai dégoté encore. Il y a celui-là. Plus facile quand on est sur une seule partie. Hop, je regarderai ce que dit Auréade après. Re Auréade, comment ça va? Comment ça va après cette partie incroyable. Bien joué pour la victoire. Bien joué. J'ai ça. En même temps, lui, il a ça. Rosendo. Bien joué pour les parties, hein. C'était chaud. Ah, ton Fuseki de mort, Sendo. Ouais, mais je l'avais déjà vu. Je sais plus si c'est toi qui m'en avais parlé ou quelqu'un d'autre, mais je l'avais déjà vu. Ouais, c'est. Il est marrant. Je vais jouer ici, c'est un point. Parce que plus tard, ça forcera à rajouter. Hop. Et sinon, ça semble fini. Parce que si je pouvais pas faire de points de toute manière. Hop. On a plus que des damés. Hein. Eh ben, c'est sportif. Hein. Le trou noir, ok. C'est ça le nom, d'accord. J'avais complètement zappé. Ça a l'air fini. Hop. Les crocs gagnent largement aussi. Ouais, c'est chaud, hein. 7 pierres, c'est ultra tendu. Aïe, bien joué à vous.
Bien joué à vous. Ouais. Allez, belle diff quand même là de niveau de points. Recro, bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, finalement j'en gagne qu'une sur trois. Pas sûr. On verra diminuer les. Si on rejoue ensemble, nous, on verra diminuer les handicaps. Faudrait peut-être m'aider. Tiens, appuie sur terminer, Cro. J'entends pas le biomi. Ah, c'est dans les options. On va regarder ça ensemble, t'inquiète. Points quand même, donc ça veut dire deux pierres de moins. On testera 5 la prochaine fois si tu veux, Cro, ou à 6, tu me diras. Et Auréad, bah l'handicap semble correct. 4,5, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ouais, c'est ça, 4,5. Bah ça va, c'est je pense que c'est bien. 5, tu voudras tenter? Ok, nickel. Tu m'as bien séparé partout, c'est pas souvent que j'ai plus que 3, plus de 3 groupes. T'en as 4, ouais. Oui, c'est plus 3, oui, c'est vrai. Ouais, et voilà, oui, j'ai tenté de séparer, c'est ça le maître mot, hein. C'est... Ce qui est marrant, c'est que j'ai joué contre Sendo comme si je jouais en handicap aussi. Bah, j'avais la pensée des autres parties, et du coup j'ai essayé de séparer Sendo partout aussi. Et ça a payé, en soi. Ça a payé. La fatigue arrive, dit Sendo. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu des erreurs, je pense. C'était pas des erreurs communes pour toi, je pense, ouais. J'ai paniqué du coup. Ouais, je comprends, parce que. Bah là, j'ai remis le son et c'est assez énervant pour les viewers, notamment là. Quand j'étais sur la partie, par exemple, de Cro, on entendait simultanément 8, 7 et on entend 3, 2 des deux autres parties. C'est horrible, je pense, le rendu. Ça me faisait stresser un petit peu. Je me disais, attends, c'est... Parce qu'il y avait aussi pour vous les décomptes, donc... Je savais pas si c'était le mien ou celui de l'adversaire. Ouais, t'as raison, à cette pierre, tu peux voilà, te dire tout simplement, je fais des points. Tant que je me fais pas de séparer trop, ça va. Parce que toi, Cro, t'as 1, 2, 3, 4, 5 groupes également. Et t'as une belle zone à gauche, c'est bien joué. Il était complètement... J'ai complètement foiré mon approche des 11. Ouais, ouais. C'est chaud, hein. S'il y avait pas assez de temps. Mais en même temps, vous aviez le même temps. Mais... Qu'est-ce que vous en avez pensé, en tout cas? Vous avez apprécié? Je sais pas s'il y a des personnes qui sont encore là, parce que... 9 spectateurs en moyenne samedi. Donc il y a encore quelques personnes qui regardaient. Vous en avez pensé quoi, vous? J'en profite pour te remercier, Fed. Merci pour l'abonnement offert à Abdallah. Qui a priori n'est plus là, donc tu vas faire avec. Je crois qu'il est parti, il a dû bouger un peu. Ah là là. J'ai 18, c'est la bonne boulette. J'aurais dû me couper de mes deux pierres au centre. De toute façon, on va regarder les trois parties, je pense. Hein. Ah oui. On va regarder tout ça de toute façon. Hop. On va regarder en prio Auréad, parce que c'est le premier qui est venu. Ensuite Cro, parce qu'on met en prio sur ce qui. Voilà, la partie simultanée à la base c'était pour 4-9Q. Et si on a le temps, on finira par Sendo, on discutera ensemble de ça. Ah bah de toute façon tu dois y aller. Donc on la verra peut-être jeudi si tu veux, Sendo. On en discutera si tu veux. Ou pas, hein, mais. Donc en vrai je me suis rendu compte du truc avec le BOMI quand tu as séparé mon centre, j'ai mis plein de trucs du coup. J'ai pas perdu ce groupe, je suis content. Ouais, mais il y a eu des bons trucs hein, de ton côté clairement. Sympa, oui, la prochaine fois je prends ma revanche. Ouais, ça roule. J'ai pu tout voir qu'il y a souvent plusieurs streamers que j'aime bien en même temps, mais c'était fun de ce que j'ai vu. Ouais, c'est normal, je comprends, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui streamaient. Le mardi soir il y a du monde, et le jeudi il y a moins. De temps en temps, il y aura les streams de la FFG, mais en général, ça dure pas trop longtemps, donc ça ira, on va dire, c'est bien. J'ai vu que la fin, mais ça avait l'air de top comme partie. Ouais, c'était sympa, en tout cas. C'est sympa. Je pense qu'on mettra sur YouTube, on verra ce que les gens en pensent, parce que, bon, je commente un peu moins, on va dire. Mais bon, on va essayer de mettre ça.
Tu vas reprendre un peu toi les streams, Crow? Ouais. Ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa. Si t'as le temps, quoi, voilà, bien sûr, hein, c'est. Avec son emploi. Oh, c'est vivre en petit. Mais perso, si j'avais eu 5 groupes, j'en aurais eu 2 morts. T'as eu 5 à la fin. Oh, regarde. 5 groupes? 1, 2, 3. Ah non, t'en as 4. Ok. Oui. Ah, ici, je pensais vraiment avec les points que je faisais, j'avais l'impression d'être bien. Pas suffisant. Je pense que dans la tête, on est toujours 7-5 de commis ou 6-5 et on est bien. Et ouais, avec le commis, je gagne, mais. Y a pas de commis. Je fais pas mal de 9-9, faut que je me monte au classement. Ouais, les 9-9, j'ai vu que c'était pas mal à la mode, c'est censé de jouer même chez les pros, ils font beaucoup de 9-9. Faudrait que je refasse aussi, ça fait un bail que j'ai pas fait de 9-9. Ok. Ok. Je pensais que c'était trop petit, mais. Bon, allez, on va regarder ça. Donc les 5 pierres ici, j'approche classique. Je disais, t'approches loin. C'est sympa. Parce que tu me mets de la pression. Et en même temps, tu joues loin, c'est normal. T'as de l'aide partout. Donc tu crains pas grand chose. Je me suis dit, j'aime les points. Je prends un coin et après on verra. Peut-être que. J'aurais dû faire ça si tu venais proche. Là, en venant loin, peut-être que j'aurais dû tenter des trucs que tu connais un peu moins, par exemple. C'est pas impossible. Mais bon. J'ai joué simple. Peut-être un peu trop. J'ai joué comme je jouerais dans une partie normale et c'est une partie handicap. C'est pas une partie normale. Donc on joue la séquence classique. Et ici, tu ignores. Donc c'est un gros coup. Mais souvent, quand c'est le coup derrière comme ça, on rajoute. Tu as eu le timing derrière de le rajouter. Mais dans une partie égalité, il vaut mieux que tu rajoutes, hein, en tout cas. Un handicap, je sais pas, mais... Sûrement qu'il faut que tu rajoutes également, parce qu'on dit de pas laisser d'opportunité à l'adversaire. Et là, je joue ailleurs, mais... Peut-être que... Peut-être que je dois directement profiter et... Faire chier. Faire des trucs comme ça... J'essaie de trouver une menace à la con quelque part. Un san-san, quelque chose. Et juste embêté, quoi. Je sais pas. Je viens au san-san. Et tu fais une autre fermeture. Donc là, tu prends deux coins. Tu dis deux coins chacun. Mais j'ai la pierre au centre et un bord. C'est clairement mieux, oui, c'est sûr. J'approche. Tu me pinces. Je prends mon extension ici. Et tu recules. Là, je pense que c'est un peu s'écraser, ça. Même ça... C'est plus sévère. Tu m'enlèves la base de vie, la possibilité de venir en K2, et tu développes très rapidement ton bord sud, coin sud-est. Donc c'est pas mal du tout de faire ça, je pense. Sinon, t'as des coups comme ça. On dit souvent qu'on attaque avec un Kema. Donc comme ça. Comme ça, peut-être. C'est moins sûr. Mais en vrai, le bord sud est intéressant, donc je dirais qu'un coup dans cette zone-là a l'air quand même pas mal pour toi. Hop. Mince. Parce que là, tu recules et c'est pour ça que j'ai fait Tenuki. Parce que je me suis dit, j'ai quand même plusieurs possibilités. Je peux essayer de vivre sur place en faisant possibilité de faire deux yeux, un œil de chaque côté. Plus l'œil potentiel en G3. Je peux glisser au-dessous et je peux sortir. Et bah là, pour prendre à l'heure, quand tu as 3 de possibilités de direction différentes, ton groupe est plutôt safe, donc tu peux Tenuki. Ouais, un peu timide, le Kema reculé. C'est avec un Y? C'est pas avec un I? J'ai hésité avec Nobi, mais vu l'espace, j'ai flippé. Ouais, je comprends. Mais après, Blanc, il doit également faire gaffe à ses groupes, hein, c'est les mêmes règles. Si je vais ailleurs et que tu me tapes encore comme ça... Imaginons, hein. Tu peux mettre la pression d'abord, je sors. Et là, c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour moi. En fait, tu sors une fois en Toby au milieu, et je peux pas rajouter un coup de chaque côté. Il vaut mieux avoir le groupe... Dans les trois groupes faibles, t'as celui du milieu, c'est cool, parce que quand tu rajoutes un coup, l'adversaire ne peut pas jouer là, et là en même temps. Donc t'es tranquille, en fait. En plus, là, t'as le Tengen, donc c'est parfait. Et je comprends, un handicap...
C'est un peu la crainte de blanc. Ici, je joue léger. Tu rajoutes ton coup. Donc là, je disais que oui, c'est le bon coup, du coup. Mais il est un peu tardif. Ce qu'on voit surtout, c'est que normalement, mince, pardon, c'est comme ça. Et tu as une pierre en plus. Cette pierre, on peut quand même se demander si elle est pas de trop, si t'es pas un peu surconcentré, du coup. On aurait préféré que t'es là, par exemple. Donc, ici, pareil, du coup, je me suis dit, t'attaques même mes pierres. Donc, je vais venir de ce côté, parce que, imaginons, je joue n'importe quoi. Si tu viens me mettre la pression, ces deux pierres sont vachement en danger. Imaginons, je réponds une autre fois, et que tu reviens... je sais pas de quelle manière, mais attaquer ces pierres. On sait pas trop comment elles vont vivre, en fait. Alors que là, comme t'as pas trop mis la pression, je peux venir ici. À la fois, ça protège ce côté-là, donc le coin, ce côté, et en même temps, ça vient les aider. Et un troisième truc, c'est il va falloir commencer à s'occuper de ces trois pierres. Ce que tu as fait, d'ailleurs, hein, mais je pense que là, je pouvais me permettre ça. Donc tu protèges. Je protège également mes pierres. Je me disais... si tu joues là, je joue ici. Si tu essaies de m'attaquer directement, ça marche pas très bien. Je peux connecter. Après, c'est compliqué pour moi, hein, mais c'est du combat, quoi. Et je pense que tu préfères éviter le combat contre blanc, là. En vrai, c'est solide ici. Je pense que tu peux aller jusque-là. Ça menace de connecter directement. Sauf que si je viens pour empêcher la connexion directe, tac, tac, tac. Et là, c'est quand même compliqué pour blanc. Donc, il y a des chances que je ne descende pas. Et au maximum, je fais quoi? Je fais ça. Et tu descends. Et... oui, je peux jouer des coups comme ça pour couper. Hein. Mais... t'es tranquille. Il n'y a pas trop de soucis, en fait. Et ta forme est maintenant beaucoup plus solide qu'elle ne l'est dans la partie, j'ai l'impression. Ici, là, c'est vachement restreint. Et blanc s'installe un peu comme il veut. Même si ici, avec ton coup rajouté, effectivement, encore une fois, si je joue n'importe quoi, quand tu viens là, c'est douloureux. Parce que je peux pas me permettre ça. J'ai l'impression que c'est compliqué. Je capture les pierres. Donc, je dois protéger. Et si tu fais ça, tac, tac, là, je commence à avoir un pâté vraiment assez peu enviable. Et t'as protégé de ce côté un petit peu. La coupe ne marche pas. Donc là, ça pourrait être pas mal, ouais, effectivement. Pour ça, là, je me suis dit, tant pis, il faut que je rajoute un coup. Mais j'étais pas très content de ce coup, hein. C'est vraiment pas très bon pour blanc, je pense. Je te renforce en fait, je dis quand tu attaques un groupe, parce que moi j'essaie clairement de mettre la pression sur ça, pas forcément de tuer mais de mettre la pression, et de te toucher, ça c'est vraiment pas agréable pour moi, parce que je te renforce, c'était normal cette réponse. J'ai essayé d'une façon détournée, vu que j'avais un temps de retard à cause de O17. 17, ok. Du coup oui c'est sûr concentré, j'ai pensé à J16 directement. J16 directement. Ah, non, J16. Comment ça, J16? Rajoutez-toi un coup maintenant. Quand tu dis directement, c'est là? Ou plus tard dans la partie? Plus tard, pardon. Ah oui, ici, pardon. Faire ça. Ce coup-là. Oui, oui. Ouais, ça c'était une bonne réponse, oui, effectivement. Je peux pas faire grand-chose.
Imaginons je fais ça. Je pense que tu peux reculer, je recule et tu connectes le tout. Et ça sent pas mal. Juste un peu après. Même. Tac. Ah, maintenant là. Oui, bon, pareil, hein, je pense. Après, maintenant j'ai envie de venir dans le point vital un peu de ces pierres. Parce que je suis quand même plus fort ici. Ou 36. Ah, tu dis encore plus tard, toi. Tac, tac, tac. Ici, venir en J7. Si je viens là. Tac, 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 tac. Effectivement. Je peux pas faire ça. Je suis obligé de reculer comme ça et tu montes. Ouais, donc même mon coup ici était mauvais. Là on fait ça et je reviens protéger là. Mais la protection est trop tardive. On l'a pas vu tous les deux comme tu dis. Ouais. Donc le année est sûrement pas bon. Je dois sûrement reculer comme ça. Menacer de faire des coups du genre J18. Si j'y joue, en fait, plus tard, bon, imagine n'importe quoi. Si j'y joue, ça menace plusieurs endroits pour des yeux. Donc c'est intéressant. Mais t'as raison, ouais. T'aurais pu m'attaquer durement. Effectivement, c'est vrai que mes formes de Kema, c'est un peu bizarre. Hein. Peut-être que c'est le H17 qui était abusif. Trop gourmand. Ici, je viens profiter de cette extension solide. C'est surtout que je me dis il me faut des points. Mais en vrai, je te laisse faire trop de points ici aussi, je pense. Je savais pas comment trop approcher. Je pense qu'il faut... Je plonge dedans. Le problème, c'est que... C'est un coup. C'est ça le problème. Est-ce que je veux d'un coup, là? Ça semble compliqué, hein. J'ai pas de menace. Donc j'aurais dû sûrement tenter des trucs comme ça. Et là... Soit tu m'enfermes dans le coin. Est-ce que t'as des coups comme ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Truc du genre. Ou alors tu connectes un peu comme si t'étais en Kema. Tac. Et on fait la séquence un peu plus classique. Mais t'as ton mur. Et tu reviens mettre la pression sur ça de cette manière ou de cette manière. Ça peut être une solution. Parce que ici finalement je suis très plat. Donc je ferai pas beaucoup de points. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je t'aurais laissé vivre, j'imagine. Mais c'était le plan que tu sensan dès le début. Dès le moment où je joue Q6. Ouais. Je pense qu'il faut approcher au-dessous. Et si tu me laisses sortir, je fais ça, tac. Et je joue comme ça, je pense. Hein. Si tu groupes comme une brute, je sacrifie mes pierres et je m'appuie dessus. Donc tu couperais pas, je pense. Mais... Ce serait quand même compliqué avec des coups comme ça. Et encore une fois, tu sautes et... C'est pas évident pour blanc, on va dire. Parce que finalement, les points que je t'empêcherai dans le sud, tu les feras à l'est. C'est vraiment compliqué, hein, les parties handicap. Hop, donc j'essaie de glisser au-dessous, mais c'est pas l'idéal. Ici, il faut que je glisse jusqu'ici, je pense. Tant pis si, oui, tu peux couper. Mais en fait, je viens là. Et là, je peux vivre dans le coin un peu plus aisément. Je sais pas. Mais en même temps, t'as une belle influence. C'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait à revoir? Si on veut revoir également la partie un peu de crow. Ici, je connecte. Peut-être que je dois être un peu plus rapide en jouant là. Parce que quand je viens maintenant ici, rien n'empêche que tu viennes faire ça.
Je passe au-dessous. Le problème. On connecte, hein. Mais quand on fait ça, tu viens là. Et c'est la catastrophe. Donc ça marche pas très bien. On peut pas connecter. Donc on fait quoi? On fait ça? Ouais, mais... même si c'est moche pour toi, tu me coupes, en fait. Et ce groupe-là, c'est chiant, en fait. Faut le faire vivre, quoi. Avoir que des petits groupes comme ça, c'est très agréable pour Blanc, quoi. Donc ouais. Un petit coup comme ça, ça connecte tout. C'est bien mieux. Ici, pareil. Tu enfermes, je comprends, tu veux prendre le centre, mais tu peux mettre de la pression comme ça. Et je peux pas partir trop loin non plus. Je peux faire ça maximum, et en sortant, tu feras ton centre et en même temps tu fermes le bord. Donc j'ai pas de base de vie, il faudra que je surveille ce groupe constamment. Ici je glisse un peu. Tu recules, tu protèges. Et ouais, je fais des points. Là, en fait, là, j'avais l'impression, j'ai pas eu le temps de compter hein, dans les parties. J'ai l'impression que j'ai pas mal rattrapé en points et que ça va aller. Mais en fait, non, t'as un trop gros potentiel au centre. Fallait que je réagisse d'une manière. Je sais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, ouais. J'ai pas de bonne solution, j'ai l'impression quand même. Parce que ici, je peux pas approcher avec ce truc qui n'est pas encore vivant. Et ici, tu pourrais m'attaquer. Donc ouais, je pense que j'ai pas eu le bon début de partie. Je suis trop plein partout. Ouais. J'ai sûrement trop joué trop comme on jouerait dans une partie à égalité. Ok sur le Tengen. Ouais, c'est pas impossible, mais en fait, dès que tu sépares par ici, je pense que tu t'en fiches de tous les intérêts qu'il y a. La pression sur ce groupe va être énorme. Et il faut faire attention de ne pas mourir. Et en plus, il faut... Ici aussi, ces deux pierres sont en danger constamment. Mais oui, sûrement, il faut tenter, de toute façon, sinon c'est perdu comme c'est ce qui s'est passé. Je suis parti sur l'option jeu réduit, mais ça n'a pas suffi. Tu peux pas tenter ça ici? Tac, tac, tac. Je pense que tu peux faire ça. Hein. Et là, t'as réussi. Tu pouvais t'en sortir. Ça ressemblait à un Tesuji. Mais ici, en l'occurrence, il ne marche pas très bien. Quand t'as joué ça, j'étais très content parce que ça sauvait mes pierres ici. Donc là, effectivement, j'ai beaucoup rattrapé dans la partie avec ça. En plus, ça a garanti la survie de ce truc. J'avais pas vu que ça atterrit sur ta pierre en M13. Ah ouais. J'ai eu de la chance, du coup. J'ai eu de la chance. C'est ça qui m'a donné un espoir dans la partie. Hop. Ici, ça me dit... Ouais, tu protèges. Tac, tac. Et là, ils disent que blanc peut venir là. Ok. Si on répond ça, il y a quoi? Tac, tac. Ok. C'est intéressant. Peut-être que ça, j'aurais pu rattraper la partie. Je sais pas si tu connais la séquence un peu sur ça. Quand on fait atterrir ici, tac, on revient, il y a atterri sur ces deux pierres. Si tu protèges, on prend le tout. Donc ça fait pas ça. Ouais, mais en temps, ici, il n'y a plus trop le choix. Hein. Tac, atterri, tac. Et si tu protèges ici, on capture là. Ça fait une réduction un peu plus grosse, quoi. Mais ça peut valoir le coup, justement, vu ce qui s'est passé dans la partie, 4,5. Hop, tac. Parfait. Bon, après, c'est du OC, hein. Il n'y a rien eu de fou. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque encore dans la fin de partie? Je crois qu'il n'y a rien d'incroyable après. On va passer sur celle de Crow. Non, il n'y a rien d'incroyable. C'est juste de la déréduction, c'est juste du OC. Je me doutais qu'il y avait une embrouille.
En dernière période de bio, j'ai pas eu le temps de lire les deux coupes en K5-M5. K5. K5-M5. Ah oui. Ouais, mais moi non plus. Hein. T'inquiète pas, moi aussi j'étais en 30 secondes toute la fin là. C'était compliqué. Allez, on passe à celle de Crow. Donc Crow, oui, j'ai bien sué aussi. Ah, pour la réduction sur le coin. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Ah oui, pour activer le son, je te montre. C'est dans fichier préférences. Et là, t'as ça qui apparaît. Et tu peux mettre si t'as le flash ou pas. Moi, je mets le flash, mais je mets aussi le son. Et le compteur. 10, 9, 8. Même si c'est bien énervant, bon. Au moins, t'oublies pas ton coup. Et après, tu choisis pour tous les parties ou pour seulement tes parties à toi. Merci. Pas de soucis. Rien, je te voyais chercher le moment pour les coups de... Ah oui, merci. Hop, alors, Crow. Non, là, c'est Auréade. Crow. Donc. Crow, il aime bien les coins aussi. Je joue pas souvent sur KGS, mais pas de problème. Oh, il aime bien les coins. Du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, bon, je vais pas lui laisser tous les coins. Je vais en prendre un. Ici, Crow, quand tu fais le année, c'est peut-être moins vrai sur partie handicap, mais souvent c'est quand tu fais le année ici, c'est pour faire double année. Blanc fait Atari. Prends la pierre, mais toi tu fais contre-Atari. Blanc capture et noir recule pour se saisir de ces deux pierres et prendre le coin. Donc il faut bien choisir quand tu fais ça, parce que tu donnes un Ponuki, c'est le nom de la forme de capture d'une pierre. C'est très puissant, parce qu'il y a déjà un œil, c'est très flexible. Et c'est pour ça, il faut choisir de quel côté tu le donnes, par exemple. Est-ce que ça t'arrange plus de le donner de ce côté là, ou... Hop. De ce côté-là. Après, oui, de ce côté-là. Parce que il reste plus que deux espacements avant de rencontrer une pierre noire, alors que on voit bien de l'autre côté. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacements. Donc c'est bien plus intéressant de donner de l'autre côté. Hop. Mais je pense que là, ça se joue tout à fait, vu les pierres que tu as déjà d'handicap, ça doit tout à fait se jouer de faire ça, hein, bien sûr. Mais dans une partie à égalité, le année, c'est pour faire le double année. J'ai un peu gaufré le set. Gaufré. Et ici, ça, c'est un peu une erreur de ma part, je pense, parce que quand je joue ça, tu peux me couper, hein. Si je joue là, ben, tu me coupes, quoi. Je suis déchiré. Ici, peut-être plutôt. Je peux faire Atari, mais après, si je connecte là, tu coupes là. Si je connecte là, tu coupes là. Donc j'ai deux groupes, déjà, dès le début. Deux groupes qu'il faut faire vivre, c'est compliqué. Donc, c'est chaud. Et si tu coupes ici, Atari, et il n'y a pas grand chose, hein, si je fais Atari là, ben, c'est coupé. Si je fais double Atari ici, tu captures. Il y a Atari, certes. Mais après, il faut que j'empêche de connecter, et tu fais Atari ici. Hop. Donc, c'est vraiment. C'était, j'ai fait une erreur dès le début, en fait. S10, c'est pas pour aller en R12. Ah si, plutôt, c'est ça en fait. Mais c'est ça mon erreur, c'est pas S10, oui, c'est pas S10 l'erreur, c'est S8. Justement, quand il joue ça, il faut que je me dise, ok, ça maintenant je touche plus, et que je m'en aille vers S12, R12, R13, quelque chose du genre. Et oui, là, je sais pas pourquoi j'ai essayé de connecter. Ça marche pas très bien. Hop, et en plus, on laisse en suspens ça. Mais je ne peux pas me permettre de répondre d'ailleurs. Ici, on a inventé un nouveau Joseki. En même temps, t'avais une pierre en plus, donc j'étais obligé d'innover.
Et là, tu me laisses vivre, mais en même temps, tu dois bien sortir. Là, tu joues de ce côté, il vaut mieux que tu joues de l'autre, tout de suite. Parce que quand tu joues là, Blanc est très content de pouvoir jouer ici, même peut-être j'aurais pu jouer là. Tu me pousses faire le groupe que je veux attaquer. Donc, il vaut mieux jouer avec ton groupe faible d'abord. C'est plus intéressant. Sauver les soldats, capitaine. Tac. Là on monte. Là tu montes. On saute. Et tu protèges. On va dans les mauvaises formes. On protège lentement nos trucs, mais en fait, ouais. C'était vraiment compliqué tout ça. Et tu m'attaques. T'as eu des bons timings, hein. Franchement, t'as eu des bons timings ici. Je trouve une vie toute petite. Et toi, tu fermes ton coin, c'est très bien ça. Franchement, ça c'était parfait. T'as beaucoup de points ici, hein. T'as 15 points là, facile. Donc il faut que je réagisse. T'as pas répondu au 6, donc j'attache. Mais encore une fois, tu restes ultra solide et... C'est dur pour Blanc, en fait, de faire quelque chose. T'as très bien joué, franchement. Très bien joué. Ici, d'ailleurs, je fais des séquences qui sont un peu abusives. Parce que quand je joue là, tu sors. En vrai, je me demande ce que ça donne, hein, la descente ici. Ok, hein, je pourrais faire des belles formes. C'est ça. Mais je suis toujours pas vivant ici. Et quand je vais sortir, tu vas me pousser. Disons, voilà, un exemple foncier. Mais tu fais énormément de points ici. Je pense que c'était très gros de jouer H2 pour noir. Parce que tu m'imposes la vie ici. Ouais. Hop. H2, j'ai voulu le jouer pendant très longtemps. Mais pareil, oui, on a tous les deux attendu le bon timing, du coup. Sauf que... Hop. Donc là, il y a toute la séquence, d'accord. Mais ici, je pense pas que t'aies besoin de jouer ça. Si tu veux rajouter un coup dans ce coin-là, dans cette zone-là, joue ici. Ça menace de faire R19, qui est vraiment très gros. Donc noir répondrait sûrement ça. Et là, t'es déjà quasiment vivant, en fait. Si tu veux rajouter, tu rajoutes après, quoi. Mais S18, c'est vraiment très très gros. J'ai jamais trouvé le timing pour le faire, ouais. Du coup, moi je me dis, ok, avant j'aurais dû aller en H2, mais là, il y a l'espace, j'ai déjà un œil. On va grignoter dedans. Mais en fait, c'est peut-être une erreur. Peut-être que je dois venir là, connecter. Et toi, si tu essaies de fermer de ce côté, en fait, j'ai encore de la place et je peux essayer de faire quelque chose. Alors qu'en poussant pour faire 3-4 points de plus ici, je te donne la possibilité de renforcer en faisant un mur par là. Effectivement, t'as un peu moins que dans la séquence qu'on a montré précédemment, mais je suis en train de m'ôter toute possibilité de réduire le bord gauche. Et c'est le bord gauche qui t'a fait gagner. T'as tous tes points ici, en fait, dans la partie. Donc ouais, j'ai très mal joué sur ça. Ouais, tu fais beaucoup de points sur ce bord. C'est un peu tard, peut-être. Ou alors, je dois passer au tout et tenter quelque chose. Mais c'est compliqué, en vrai. C'est très compliqué. Ouais, t'as bien joué, hein, franchement. Alors, je pense qu'on a vu à peu près. Je regarde. Ah oui, t'as loupé un moment. Oui. D'ailleurs, moi, ici, les séquences sont très mauvaises. Et c'est assez marrant de voir que plus tard, t'as... On a tous les deux loupé des opportunités assez intéressantes. Ici, attention, oui, t'as loupé l'Atari, déjà. T'as un Atari ici. Là, il faut protéger cette pierre, plutôt. D'ailleurs, moi aussi, j'ai loupé. On était en biomie, hein, oui. Voilà, on a les trois parties. Ben, moi, j'ai les trois parties. Je ne sais pas, là, en regardant, pourquoi je capture pas cette pierre, quoi. C'est incompréhensible. Parce que... il faut que tu vives des deux côtés, maintenant. J'ai vraiment mal joué ça, par contre. Là, toi, tu dois absolument protéger ici. Et moi, je dois absolument capturer cette pierre. Là, c'est vraiment... On sait pas trop ce qui se passe, quoi. Deux groupes à faire vivre. Aïe aïe aïe. J'avais même pas fait gaffe ça.
tellement pris dans le milieu, mais la partie se joue ici. Et ici, là, ton petit coup fourbe là que tu vas faire. Tac, tac. Quand tu viens ici. Et je le vois pas. Là, c'est dramatique, hein. Et que tu me coupes, c'est dramatique. Ok, c'est gros, hein, F18, mais ça vaut pas ça. Et ensuite, on a encore un coup que tu as loupé. Et qui aurait pu me faire très mal. Ça. Je fais une erreur. C'est là que j'ai paniqué vu que j'avais pas le décompte. Ouais, mais t'inquiète, hein, moi je paniquais un peu aussi avec les trois parties, c'est normal. Là, si tu joues ici, et que je protège, tu captures le tout. Le truc que je t'ai fait subir juste à côté d'ailleurs, juste après. C'est horrible. Ah ouais, ouais, et je te l'ai fait juste à côté. On a vraiment... Ici, là, les formes de blanc et noir sont moches. C'est vraiment... On n'a pas géré sur ça. Vraiment. On aurait pu se tuer plein de fois tous les deux, c'est... on l'a pas fait. On a été très, très friendly. Donc je protège, hein. C'est pour ça que je suis revenu, j'étais en mode « Oh merde !» Et d'ailleurs, bon, j'ai pas eu le timing, hein. Mais regarde ce coup. Il est nul. Je dois faire ça. Je le vois même pas, en fait. On est complètement aveugle. On est complètement aveugle sur cette partie. Et c'est que ici que je le vois. Et bon... Après, ça m'a pas suffi, hein. C'est vraiment... voilà, là, c'est la fin de partie. C'est vraiment... quand je joue ça, que je perds la partie. Là, je capture. Et comme dit le bot, du coup, noir, je protège son groupe. Protège. Donc, selon lui, blanc attaquerait par ici. Toute la formation noire ici, hein. Il faut faire deux yeux. Ouais, c'est en simu aussi, c'est pas simple. Il faut prendre le réflexe, ouais. Noir essaie de faire vivre, blanc vient dire non, il n'y a pas, parce que si c'est noir qui joue ici plus tard, il y a un œil là, un œil là. Donc blanc dit non, noir empêche de connecter sinon il n'y a aucun œil. Blanc vient ici, ça menace couper. Noir menace couper, blanc vient là, noir vient ici, tac. Et... noir semble quand même mort. Parce que si noir vient là, blanc coupe. Si noir revient là, blanc coupe. Et ici, il n'y a pas deux yeux. Donc vraiment, capturer cette pierre ici, là, c'est la partie. Et si jamais noir préfère essayer de faire deux yeux dans ce truc, du coup, en jouant par ici, j'imagine, je sais pas trop, ça a l'air compliqué. Blanc peut venir tuer tout ça, je pense. Ça a l'air mort. Il faut encore sauver ce pâté. Ouais. Et je me demande si ça c'est vraiment vivant. Donc ouais, c'était mince, pardon. C'était vraiment la partie. Le L10. Mais pour toi comme pour moi, comme je disais, quoi. C'est là, toi, tu dois protéger. Et moi, je dois capturer. Ouais. Le bot a dû devenir fou. Oh, regarde là, le graphe. Ah bah non, tu le vois pas, pardon. Je vous mets ici. Ouais, voilà. On voit le graphe. Il chute, puis il remonte. Genre, blanc regagne largement, et hop, noir regagne. Ça fait 99,8% de chance que noir gagne. 88% que blanc gagne. Et on repasse à noir après. Ah. C'est dur. Bon, voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié les parties. On va revenir ici. Non. Là. J'espère que vous avez apprécié. C'était bien sympa en tout cas. C'était bien bien sympa. Si je la publie sur YouTube, les YouTubiens, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu. À vous abonner à la chaîne YouTube. Ça soutient toujours la chaîne. Et à partager la vidéo si vous voulez. Bien sûr, là je vais d'abord vous demander Pro et Oread par exemple. Si je sais pas si je le ferai, hein, mais ça vous gêne pas si je mets sur YouTube. Je préfère vous demander, hein. Je demanderai à Sendos également. Ouais, c'était chouette. J'ai trouvé aussi. C'était sympa. C'est détente entre nous, en fait. C'est tranquille, quoi. Y a pas de pression, c'est des parties amicales.